Alors, est-ce que ça marche? Oui, c'est bon, ça marche. Eh bien, bonsoir. On va pouvoir se mettre au jeu maintenant que j'ai réglé le problème du micro. Ah, un live qui commence avec un bug. C'est un bon live. Du coup, on est parti pour continuer Assassin's Creed. Je pense qu'on va finir la quête des gamins là, qu'on avait commencé hier soir. Par erreur, hein. Clairement, on voulait pas vraiment aider les gamins. Hein. C'est juste qu'on a vu quelqu'un qui parlait, on lui a parlé. Une quête! Bon, bah, on va la faire jusqu'au bout, c'est toujours de l'XP. Puis ensuite, on va essayer de faire les deux mystères qui me restent. Donc, un des mystères, c'est pêcher. Ça devrait être assez simple, je pense. Juste long, parce qu'il faut pêcher 10 poissons bien précis. Mais ça devrait le faire. Et on va faire ensuite le deuxième mystère. Et il va être un peu plus sportif, hein, on va pas se le cacher. Car ça va être combattre, je sais pas quoi là. La bestiole. La bestiole mystique, éthique. Ah, attends. T'es où? T'es par là, toi. Oui, bah je te suis. J'ai dit que je te suivais. Je te suis. Ah, je peux mettre une déco dans le Qu'est-ce qui s'est coin. passé? Elles sont toujours en danger? Pas si nous arrivons assez vite. Bah, on court depuis tout à l'heure. Qu'est-ce que t'appelles un danger? C'est genre un ours, un loup ou un humain? Ou juste qu'elles sont en train de se casser la gueule? De quel côté sont-elles? Par ici. Nous sommes presque arrivés. Un lapin! Un lapin, chef! Oh putain, elle est dégommée pendant qu'il court. Eh ben. Knud, il faut que tu me dises ce qui est arrivé. Je ne peux pas. Tu ne comprendrais pas. Fais-moi confiance. Qu'est-ce que... Elles se sont enfermées dans la maison? Quelle est la connerie? Qu'est-ce que ça veut dire? Pardon, Eivor. Il a fallu te jouer un tour. Mais c'était l'idée d'Eira, pas la mienne. Ouais. Dire n'est pas un bon moyen d'attirer mon attention, les enfants. Que tu ne te dérangerais jamais pour un pauvre chien. Si. Je me dérangerais vachement plus pour un chien ne fait pas ce bruit-là. Que pour vous. C'est un loup. Mais un loup, c'est une sorte de chien, non? C'est ce que dit ma mère. Ah ouais, il va falloir revoir des notions. Écoute un peu ça. Ça, c'est du chien. Eivor, si tu ne nous aides pas à le libérer, nous le ferons nous-mêmes. Inutile. Ouais. Je préfère m'en occuper. Des chiens, les gamins, des chiens. Ah, attends. Il faut l'aider. Sa famille doit sûrement lui manquer. Tuer la poule, apporte des choses. Cuire de l'eau d'animal. Voilà. La clé de la grande porte. Je dois me méfier en ouvrant. Qu'est-ce que c'est que ça? Un cadavre? Je vais libérer ce loup et prier Tyr pour que je n'aie pas à le tuer devant les enfants. La table est mise. Il n'est jamais rentré chez lui. Au moins, il aura eu une fin rapide. Ses crânes portent des traces de dents. Le loup a dû l'aider à les tuer. Tout doux. Tout le temps. Doucement. Dupée par des enfants et tourmentée par des loups. Elle est belle, la guerrière. Ouais, elle est belle. Le loup est passé par là. Oui, tu l'as libéré. Tu es incroyable, Eivor. Oui.
Oui. Il est parti, sans même dire merci. C'est un loup. Il est peut-être retourné dans sa famille. C'est peut-être que ses parents devaient avoir très peur. Ou sa femme loup. Ou son mari. On n'en sait rien. Ce que l'on sait, en revanche, c'est qu'il est temps de vous ramener à la colonie. Sinon, vos parents penseront que des loups vous ont dévoré. Oh, d'accord. Oh, d'accord. Ouais, bah, si tu veux, je te laisse te faire bouffer par les loups. Vous avez été très courageux aujourd'hui. Vous tous. À l'avenir, vous ne devriez pas explorer les bois tout seul. Vous comprenez? Mais toi, tu y vas tout le temps. Oui, mais moi, c'est pas pareil. Parce que je sais des choses. Vous, il vous reste beaucoup à apprendre. Oui, peut-être, mais on est trois. Alors, ça compense? Ce n'est pas comme cela. Oui. Oui, mais il reste encore beaucoup de choses à apprendre. D'autres loups! Et pas notre nouvelle amie! Elma! Reculez! C'est le loup. Ah, la couche est le loup. Salut Lucos, comment ça va? Merde, j'ai pas eu le temps de piller. Ouais, on peut adopter le chien loup et abandonner les enfants. Quoi? Poulve de chien loup dans notre langue. Non, ça ne me plaît pas du tout. Bon, moi, ça va, ça va. On devrait l'appeler... Souris. Souris. Non, pas souris. Non, pas souris. Crodure, ouais, Crodure, c'est bien. Qu'est-ce que tu en dis, Eivor? Crodure. Pourquoi pas après. Salut groupe, comment ça va? Ah bah. Tu vas pas te faire spoil beaucoup, j'ai pas foutu grand chose hein. Bon, j'ai pas mal attaqué la région au sud de la colonie, c'est tout. J'ai rien foutu d'autre. On voulait simplement vivre une aventure comme toi, Eivor. Et on l'a fait. On a un nouvel ami. Une partie de chaque aventure, c'est d'en tirer une leçon. Vous ne pensez pas? Oui, c'est la plus importante. Ah ouais. J'ai récupéré un loup, mais j'ai pas perdu les trois enfants. Alors, c'est décevant. Est-ce que vous avez appris quelque chose? Bien fait, mon PC veut pas lancer le jeu. Ah merde! Ah, ton PC est trop vieux ou c'est le processeur qui déconne? Ce sont de très bons compagnons. Remboursement pas, pour ouais. Ma mère dit toujours de ne pas approcher des animaux sauvages. Processeur, ah merde. Et si nous pensions plutôt à tout cela en silence? En tout cas, le temps. Ah, c'est vraiment pas de chance. Oh, attends. Faut que je fasse un truc. Non, toujours pas. Bah, j'y ai pas rejoué du coup depuis hier. C'est pour ça que je streamerai plus avant fin décembre. Ah, bah oui, tant que t'as pas de processeur, c'est logique. Bon, excuse-moi, je fais ma déco en forme de tonneau de bière. C'est important de pas manquer d'alcool. Ah, tu vas pas avoir ton nouveau processeur avant fin décembre. C'est chiant. Ah, pour toi. Moi, ça m'empêche pas de jouer. On dirait qu'il vous aime beaucoup. Bien sûr que oui. On l'a sauvé. Sinon, il serait. Il bug le loup là. Il fait quoi? Il éternue? Vous avez vu ça? On voit tout. N'allez pas le dire à vos parents. T'inquiète pas, mais il faut d'abord que je me. Rentrez chez vous. Fournisse des composants. Désolé, je suis en train de bugger sur le loup qui bug. Meilleur ami. Alors j'ai débloqué. Ah, elle est là. Lancez votre loup contre un ennemi. J'ai un loup. J'ai un loup. C'est vachement mieux que des gamins. Le point de compétence. Enfin, je vois aussi pour améliorer mes rations. Alors, attends. Tac. On va augmenter l'étourdissement et la vie. Ça, en même temps, ça me permet de voir ce qu'il y a là-haut. Oh, c'est quoi ce crâne enflammé? Crémation de campagne.
Le nom est gentil. Le nom me plaît. D'accord, donc plus je fais des dégâts de feu, mieux c'est. J'aime bien. J'apprécie. I like that. Je crois que par là, t'as la compétence pour avoir deux armes lourdes en même temps. C'est ce que j'avais vu. Enfin, je finisse aussi là pour récupérer les bonus. Perso, tu es une level 210. On a presque le même level, Lucas. Je vois pas pourquoi tu dis ça. Moi, je suis level 54, t'es level 210. Franchement, c'est la même chose. La mauvaise foi incarnée. Il me faut des flèches. Bonjour à toi, Igor. Non, je voulais pas faire ça. Je voulais des flèches et gérer mon équipage. Bon, il n'y a pas de flèches. Je peux au moins gérer mon équipage. Je vais m'occuper de mon équipage. Ça va au moins jusqu'à 340. Alors, c'est 2 points de compétence par niveau. Donc ça veut dire que tu as 680 points de compétence. Au maximum. Sans compter ce que tu trouves grâce aux quêtes. Enfin, grâce au mystère. Hein. Donc, ouais, ça en fait du point de compétence. Est-ce qu'il y a possibilité de débloquer tout l'arc ou pas? Pour l'instant. Yep. Je dois partir. À bientôt. Il n'y avait pas des flèches. Ah, attends. Je voulais tester un truc. Regardez-moi tous ces délicieux poissons. Hein, je comprends rien. Je comprends pas du tout comment marche la pêche. J'ai vraiment beaucoup de mal. Alors attends. Non, parce qu'en même temps j'essaye de suivre pour récupérer mon poisson quoi. Pas du tout instinctif le... Ah ouais, non mais tu t'es planté, honnêtement, remboursé. Alors, j'y arrive pas du tout le système de pêche là. Ok, j'ai réussi. Donc, ils vont faire un système de saison avec des ajouts, des fonctions à chaque saison. Notre mercenaire aura des levels à monter, plus il sera haut, plus tu gagneras dessous. Ça c'est cool. Du coup, j'ai même pas regardé ce que j'ai chopé comme Pascal dans ma première pêche. Un chabot moyen. C'est pas vraiment ça qui m'intéressait, mais bon. C'est pas grave, on va recommencer. Hein. Très spécial leur système de pêche. Très spécial. La trace d'un seul poisson. Ok, c'est très spécial leur système de pêche, je trouve.
C'est pas mauvais, c'est spécial. C'est pas mon genre. Système de pêche, voilà. Voilà ce qui serait le plus réaliste comme terme à utiliser pour moi. Par rapport à la pêche. Ah, vous allez me dire, ça ressemble pas mal au système de pêche de Ocarina of Time, limite. Hein. Y a du poiscaille là? Si, il y a du poiscaille. Je l'ai repéré. Viens, 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 mort. Mort, mort, mort. Ah, c'est un petit là. Ah, c'est vachement plus simple, hein. Un petit là. C'est quoi que j'ai chopé? Un petit, yes! Il m'en faut 10. Est-ce qu'il y a moyen d'en pêcher deux à la suite ou est-ce qu'il faut que j'attende? Ah non, je peux pas pêcher 10 000 à la suite quoi. Oh putain, ça va être long les 10. Oh là! Oh l'arnaque. Oh, c'est des algues. En fait, il faut que je repère les mouvements de poisson dans l'eau. Je lance à ce moment-là la pierre pour appâter L'eau les. grouille de poisson. Oh, l'eau grouille de poisson, t'en vois où toi? J'ai cru en voir. Bon, bah non. Mais ça va être ultra long de pêcher le poisson du coup. J'aurais plus vite fait de le chasser à l'arc. Non, parce que là, je me souviens, hein. Il m'en faut 10 de poissons. 10! Donc si je me souviens bien, par contre, j'en avais croisé ici, dans cet étang-là, il y en avait pas mal. Dans cet étang-là, je pense qu'il y en a aussi quelques-uns. C'est des étangs, donc forcément. Par là, on devrait aussi en trouver. Aïe! Je me pose une question, est-ce que je peux pêcher du nid d'aigle? Ah, j'ai pas le droit, je suis trop. Oh! J'ai chopé au passage le petit. Bon, c'est une perche. Ça aurait été beau que j'en ai un deuxième comme ça. Hein. Pourquoi il y a eu un bullet time?
L'étrange, c'est quoi là? La pierre molle devant lui? Ah là, c'est une belle mort! Là, c'est une mort de guerrier! Je sais plus pourquoi j'avais besoin de ça. Mais j'en avais besoin. Ah, sûrement pour les livraisons de chasse. Alors je sais très bien que je dois aller de l'autre côté par rapport au marqueur que j'ai mis, mais je vais essayer de faire la quête du combat là. On va se faire péter les dents. Encore et encore. Parce que on aime ça. En soyons honnêtes, hein. Je ne nous vois pas avoir une victoire là hein, sur le combat. C'est ça, Bambi! Pas de flèche. Je voulais que je fasse sans flèche pour la chasse. Ouais, fuyez! Fuyez, bande de fous! Je suis présent, je suis dans la place. Vous n'avez plus aucune chance. Comme moi, j'ai aucune chance de gagner, donc... on est... kiff kiff bourrico. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que je me suis fait un fucking mountain training. J'ai amélioré mon arc, mon armure, ma hache. Oh putain, ça coûte une burn ça d'améliorer. Voilà, ah tu vois, c'est le bug des fois. Des fois, tu vois, ça bug comme je viens de faire là. C'est-à-dire que je sais pas pourquoi mon arc reste bloqué temporairement. Alors est-ce que c'est parce que j'arme la flèche en même temps? On y va, on y croit, on sentait bon le sable chaud. Et on va y reposer. C'est parti. It's time for the fight. De quelle bataille sors-tu, toi? Si vous, je peux te couper la langue. Normal. Je n'obéis à... Ah, j'ai pas le droit de la lock? Ah, si. Tu seras dépecé comme les autres. Je vais t'arracher le ventre. Eh merde. Trop gourmand, j'ai... Très très sans putain pitié. J'ai essayé d'attaquer, j'aurais pas dû. Faut que je me contente de parer. Voilà, faut que je me contente de parer. Attaquer, ça sert à rien. Tu pars, t'attaques. Tu pars, t'attaques. Tu pars, t'attaques. Tu pars, t'attaques. Fais rien d'autre. Ça sert à rien le reste. Scrunch, scrunch de la neige, quel plaisir. Ah, possible, moi c'est plutôt le scrunch scrunch du marais, ou plutôt le flop flop du marais que je connais. Hein? On commence là, sérieux les mecs? Oh!
Alors attendez, on va prendre le bateau ce coup-ci, on va pas y aller à la nage. Ah, je pensais que j'allais recommencer plus tôt. Non, on va sauvegarder juste devant la... le boss. Non, parce que si à chaque fois on doit se retaper le chemin, ça va être chiant autant pour vous que pour moi. Hein. Déjà que le combat va être chiant, de façon générale, j'ai l'impression. Voilà, j'ai bien garé le bateau. Il bougera peu. Alors, non, non, non. La chasse à la hache, ça existe. C'est très compliqué. Mais ça se fait. Faut que je prenne les flèches parce que si jamais. Ouais, dégage. J'allais dire, si jamais j'arrive à lui placer une flèche qui va bien dans ses points faibles, ça serait parfait. Ça serait parfaitement parfait. Bon. Je vais pas vous le cacher, ça sera sportif. Mais bon, on est là pour essayer, hein. On est là pour le challenge. Enfin, moi je suis là pour le challenge, vous, vous êtes là pour me voir galérer. Chacun son rôle. En plus, ils me la disent pas comme boss imbattable, hein. Ils me la mettent pas comme la dernière fois avec... avec celui de la Norvège là où il y avait un crâne rouge juste à côté, non. Donc j'en déduis que potentiellement j'ai mes chances. C'est peut-être un faux, une fausse indication. Et ils font style, oui t'as des chances, vas-y, vas-y, acharne-toi. Pense-toi, tu fais rien d'autre. Voilà, donc j'avais repéré qu'il y avait des trucs sur les côtés s'il faut pour la vie. Quelle bataille sors-tu, toi? Je ne... Tu seras dépecé comme les autres. Je vais t'arracher les membres. Yes! Meilleur début que j'ai fait sur ce boss. Hey, j'ai appuyé sur A en théorie. Ah! Si je dois t'arracher les yeux, je le ferai! Première phase! Quel cèdre vous multiplie! Je suis unique et multitude! Quelle est donc cette force? Très très bon début, très très bon début de combat et fin merdique. J'ai fait de la merde. Je pensais pas que c'était un combat en deux temps, hein, clairement. Ça m'a surpris. J'ai paniqué. Il y avait plus rien. J'avais plus de bouffe pour lutter face à la personne. Et le gros problème
ce combat, c'est qu'à part là, petit tas de champignons, j'ai l'impression qu'il n'y a rien pour se régénérer. Tous les boss ont plusieurs phases. Mais j'ai pas encore fait un seul boss, c'est mon premier! Mon vrai premier boss, si tu regardes bien, Lucos, puisque t'en as Quelle pas vraiment, belle à part sortie, celui toi! obligé là, qui a tué ton père. Je ne. Puisque tu oses t'imposer, tu seras dépecé pour les autres! J'ai t'arraché les membres! Très bon début. Voilà. Non, on se contente de. Ah merde! Vous multiplie. Je suis unique et multitude. Quelle est donc cette folie? Ariel. Je Ok. te félicite d'avoir tenu si longtemps. Première phase passée. Mais Maintenant, il je faut ne que je fasse la suivrai deuxième. plus mes cours. Si je dois t'arracher les yeux, je le ferai. Arrière. What? Mais c'est quoi? C'est shit. Non mais c'est quoi ce shit? Non mais sa face fantomatique, je ne peux pas la bloquer. Comment vous voulez que je fasse? Expliquez-moi le jeu. Et j'ai compris la première phase, il faut essayer de la taper rapidement, ensuite de parer quand c'est parable, et esquiver quand c'est pas parable. Ça, c'est plutôt facile à comprendre. Mais le spectre, non. Non, le spectre, vous me dites clairement, on va te faire foutre. Il va falloir me l'expliquer un peu mieux, le spectre, comment le passer, s'il vous plaît. Elle ne comprend pas. Quelle bataille sors-tu, toi? Lequel des... Je n'obéis. Puisque tu oses t'imposer, tu seras dépecé comme les autres. Je vais t'arracher les membres. Ah putain, et ça, je déteste quand ça me le fait. Hein. Quand ça bloque la flèche. Quel cèdre vous multiplie! Je suis unique et multitude. Quelle est donc cette folie? Arrière! Ah mais putain! Pourquoi ça bloque? Vois, ça me bloque ma flèche, je ne sais pas pourquoi. La souris se bloque. Et bah en plein combat, c'est assez chiant quoi. Autant pendant la chasse, ça va.
Autant pendant le combat, non mais vas-y, j'en ai rien à foutre, crève-moi. Je déconne. Là ça, la flèche, l'arc veut plus bouger. Par contre, ça c'est cheaté. Clairement, l'arc, je comprends pas pourquoi il se bloque. C'est peut-être un bug. Hein, je comprends pas. Autant le fantôme qui passe à travers ta garde, c'est cheaté. Je suis désolé, c'est cheaté. Y a pas d'autre mot. Tu peux pas le parer, tu peux difficilement l'esquiver. C'est cheaté comme compétence. Mais j'arrive pas à comprendre pourquoi mon arc se bloque. Vous voyez là, je peux l'utiliser normalement. Bon, j'ai tiré ma flèche, c'était inutile, mais. Mais pourquoi? Voir un truc par-delà ce campement lugubre. Ok, y a rien. Ah si, il y a un truc. Mais ouais, je comprends pas ce bug que j'ai de l'arc. Il me chiffonne un peu. Je suis fan un peu, il est problématique pour les combats, quoi. Sachant que j'ai déjà du mal avec la phase 1, si en plus j'ai du mal avec la phase 2, qu'est-ce que ça va être? On va essayer, mais bon. Ah, j'ai pas confiance en moi là, dans mes... Après, je peux me le faire à l'ancienne, hein, sans l'arc, mais ça va être très très long, et puis c'est pas ma ration, donc. Je n'obéis à aucun. Attends, j'irai voir ça plus tard, Lucos. Et j'ai fait un pas en arrière. Elle a pas esquivé quoi. Ouais, vous quittez la zone du combat. Tu vois, regarde là, je peux pas monter. Je pouvais pas monter ma souris plus haut que ça. C'est problématique, je suis désolé. Hermaline avec ta flèche. Mais vas-tu mourir? Je rage même plus. J'ai surpassé ce niveau. Ce niveau de j'en ai ras le cul. J'en ai ras le cul parce que là mon arc. Bah quand je peux tirer que dans les pieds ou que dans le ciel, bah ça me sert à rien. Ça me sert à rien, et les deux meilleurs passages que j'ai fait sur ce boss, c'est grâce à mon arc. J'ai réussi à lui mettre la flèche dans le point faible. Et là, j'y arrive pas parce que ça bug. Alors attends. Super, qu'est-ce qui se passe? Mon jeu freeze. Tout ça parce que... Une course de sous-marin, c'est quand même chiant. Ah oui, en effet, Lucos. Et j'ai pris le temps de regarder ton lien. C'est pour ça, ça a bugué deux fois, puisque quand j'ai cliqué dessus, ça l'a pas ouvert. Et puis après, je sais pas. Ça... De quelle bataille sors-tu, toi? Ça a rien fait.
Alors, on libère un maximum de place pour le tapis de souris. Je n'obéis. Puisque tu oses t'imposer, tu seras dépecé comme les autres. Je vais t'arracher les membres. Ah putain! Là c'est moi, là c'est moi qui suis mauvais, c'est pas le jeu. Tu vois là, ça a bloqué, j'ai pas pu tirer ailleurs que dans la jambe. Ok, merci. Vapeur fétide! Quel cèdre vous multiplie! Je suis une multitude! Quelle est donc cette folie? Ah putain, j'ai le mauvais timing pour le bouclier là. C'est à dire que je lève trop tôt mon bouclier, ce qui fait qu'elle le rebaisse au moment où je prends le coup. Là c'est ma faute. Au moins ça va m'apprendre à avoir un bon timing de bouclier. Je vais passer le live sur ce combat là, à essayer de le faire. De quelle bataille sors-tu, toi? Allez, sans flèche ce coup-ci. Tu seras dépecé comme les autres. Et t'arracher les membres. Ah putain. C'est chiant que à l'arc, enfin t'es obligé d'être à l'arc pour dégommer les points faibles. Ah putain, non mais voilà. Quel cèdre vous multiplie. Je suis unique et multitude. Ok, j'ai réussi la première phase en cramant une ration. Et parce qu'elle a utilisé son clone, si je puis dire. Ça, son clone, c'est l'ami Claire. Quelle est donc cette folie? Hein? Non mais ils sont gentils hein, ils m'ont foutu hors de la zone, je reviens, elle me fait direct un truc, ok. Je peux faire mieux, je m'améliore, c'est déjà ça. C'est déjà ça, il faut que j'oublie d'essayer d'utiliser l'arc, ça sert à rien. Enfin, c'est vachement bien. En même temps, ça me sert à rien. Bataille sors-tu, toi? Puisque tu oses t'imposer, tu seras dépecé comme les autres. Je vais t'arracher les membres. Super. Ah, j'ai fait de la merde. Oui, non mais vas-y, je t'offre ma vie là. Vas-y, j'ai fait de la merde. Je vais pas te dire que... Non, j'ai été merdé. J'ai essayé de bloquer un coup imparable. Erreur de débutant niveau 1. Je l'ai faite. Ça va apprendre à la patience, hein, déjà ce combat. Patience, persévérance. Et potentiellement à mieux parer.
Par contre, la vidéo, on va la connaître par cœur à force. Puisque tu oses t'imposer, tu seras dépecé comme les autres. Je vais t'arracher les membres. Ah putain. Première erreur. J'ai encore fait comme tout à l'heure. J'ai paré une attaque imparable. Je dis qu'il faut pas que je pare ces attaques là, qu'est-ce que je fais? Je les pare. Logique. J'ai tellement envie d'apprendre la parade que j'essaye de tout parer. Même ce qu'il faut pas. C'est magnifique. C'est magnifique. On recommence? De quelle bataille sors-tu, toi? Je n'obéis. Allez, on essaie de s'améliorer. Tu seras dépecé comme les autres. Je vais t'arracher les membres. J'ai réussi à lui en placer deux. Discrètement, hein. Oh putain, j'ai cru que j'allais me la prendre cette attaque. Très sans pitié. C'est bon, tu. Arrière. Peut-être qu'une meilleure arme. Ça sera mieux. Ah, lui, il faut vraiment que je le. Quel cèdre vous multiplie. Je suis une multitude. Quelle est donc cette folie. Un coup de chance. Alors, j'ai compris que généralement, quand je fais l'attaque lourde. C'est. J'ai le temps de placer une attaque. Et ensuite, il faut que je pars. Mais je ne retiendrai plus mes cours. Si je dois t'arracher les yeux, je le ferai. Ok. Hey. Cours Forest, cours. Très sans pitié. Ah putain, et regardez ici. Attendez. Champi quelque part dans un coin. Ok, j'ai juste à attendre et il y a des trucs qui vont disparaître. Je pensais avoir pris un champipi pour regagner de la vie, mais il semblerait que non. Putain. Ah, elle m'a chopé, je suis mort. Non mais sérieux quoi. Sérieux quoi. C'est quoi ce fantôme. C'est quoi ce fantôme de mes deux. Allez, je vais arrêter là. Alors, c'est bien, j'ai appris la phase 2. C'est-à-dire que j'ai juste à courir. Au bout d'un moment, les nuages de poison vont disparaître. Là-dessus, je suis content de le savoir. Par contre, ces fantômes. Ah, c'est une plaie. Ah, c'est une plaie purulente, ces fantômes à la con. Ah, du coup, on va aller pêcher. Je voulais aller voir là dans ce lac là déjà, donc on va se déplacer là. Je me demande s'il y a un équipement qui m'irait mieux.
Ça, j'essaye de me battre au bouclier à la petite hache. Est-ce que si je prendrais une grosse hache, ça irait-il pas mieux? Vous allez me dire non, sûrement pas. Ce qui serait bien, c'est peut-être que t'aies plus de rations. Et là, je ne pourrais être que d'accord avec vous en mode oui. Plus de rations, plus de vie. Plus de vie, dure plus longtemps le combat. Mais le problème, c'est que j'en ai pas plus de rations pour le moment. Pas juste en face. On va aller choper l'opale. Ouais, j'ai amélioré ma hache au maximum que je pouvais l'améliorer. Mais ouais, je pense que clairement mon équipement n'est pas adapté. Déjà. Un premier temps. Ensuite, je pense que la deuxième partie vient sûrement d'ailleurs. Peut-être de mes skills. Hein. Je ne suis pas bon, je le reconnais volontiers. J'ai pas les bons timings. Triste à dire, mais j'ai pas les bons timings. Mais voilà, en fait, il me faudrait un truc d'amélioration, là, je sais pas comment dire. Alors, je suis sur l'opale, mais... Je peux pas l'utiliser, le loup. Je sais pas pourquoi ils veulent pas. J'ai le loup, mais il reste grisé... Attends. C'est problématique. Tu vois, quand je fais ça, il reste grisé, genre j'ai pas le droit de l'utiliser. Alors moi je pense... Après c'est... Ma théorie, Lucos... C'est tout simplement parce qu'on n'a pas assez de barres d'adrénaline pour l'invoquer. Ou sinon, c'est qu'il faut qu'on la ramène avec nous depuis le début de la quête. C'est genre qu'on aille au campement, putain, mais je vais jamais l'avoir le lapin. Je le sache pas spécialement ce lapin, mais il me fait chier là, à courir partout. C'est genre, est-ce qu'il faut que tu le caresses dans le campement pour qu'il décide de te suivre et que là tu puisses l'utiliser? Oh putain. Il s'est arrêté juste avant que je tire ma flèche. Même le lapin me troll. Ah, je vais déjà voir pour la quête. Alors, est-ce que j'ai dégommé le lapin ou pas? Maintenant. Non, hein, je les ai pas dégommés ces cons de lapins. Bon, il faut que j'aille pêcher. De toute façon, allons pêcher. Je les vois trop tard, les lapins. Bon, lui, je l'ai dégommé le corbeau là. Et quoi? Thank you.
Voilà. Ouais. Victoire. Alors. Bon, après, je vais pas tarder à level up, donc je vais peut-être récupérer du coup un point de, enfin des points de compétence pour pouvoir devenir plus fort. Coucou le chat. Alors là, il faut que je fasse gaffe parce que de temps en temps, il y a le zélote. Comment dire, j'ai pas vraiment le niveau de me faire un zélote si j'arrive déjà pas à me faire l'autre bestiole. Montre-moi ce qu'il y a plus loin. Déjà, il y a une opale. Oh, mais non, mais elle est vachement loin, l'opale, en fait. Est-ce qu'il y a du poisson? Putain, je suis tombé sur le seul petit étang où il n'y a pas un poiscaï. Sérieusement, les mecs? Allez. Ça ne manque pas de poissons par ici. Putain, j'ai réussi à tomber sur le seul truc sans poisson. J'adore réussir à tuer un pigeon, un piaf, avec un grand coup de hache. Je trouve ça particulièrement jouissif de se dire que la bestiole est morte parce qu'elle s'est mangée un coup de hache et que si elle avait volé un mètre plus haut, elle aurait survécu. J'aurais rien pu faire. Mais là, non. Tout récupérer là. Là, en plus du point de vue, il y a quelque chose, il y a un coffre. Je sais pas où il est. Un petit coffre, coffre ou nez quoi, si on peut dire. Savoir où il est maintenant. Regarde-moi ça, que c'est-il pas beau. Thank you.
Ah, c'était un fucking trap. J'ai bien fait hein, de repérer ça en premier. J'ai pas fait exprès, mais j'ai bien fait. Pas ce que j'ai chassé, mais je l'ai chassé. Il y a du poisson là, vous n'allez pas me la faire. C'est bon, me la faire. Non, bah, t'as pas voulu t'envoler, tant pis pour toi, hein. Si je me souviens bien, regardez la map, mais là, voilà, là c'était là, c'est là où j'ai essayé de pêcher mes premiers poissons à l'arc. Une technique très particulière, je vous l'accorde, mais j'ai essayé, j'en ai eu un ou deux à l'arc et à la hache. Et tout ça pour avoir 10 petits chabots, sachant que j'en ai déjà 4. 4, il m'en faut 10. C'est pas mal. Ce qu'il me faudrait, c'est ça, des lingots de nickel et des lingots de tungstène. Montre-moi ces terres, mon ami. Du rocher, du rocher, du rocher, du rocher. Nos pales masquées. Et un zélote qui se promène par là-haut. J'avoue, je suis pas chaud pour un zélote. J'ai l'impression qu'il faut un petit savoir-faire pour leur défoncer les dents, zélote. Ça se fait pas naturellement comme ça, quoi. Alors, eh, je l'ai dit, hein, la pêche à l'arc, ça marche. Et en plus, c'est un de ceux qu'il me faut. En fait, il suffit que je repère un endroit et je tire, quoi. Comment ça, c'est pas fait pour être pêché comme ça? Je trouve ça plus simple. Je les cartonne les bestiaux à la flèche, hein, là pour le moment. Et plus beaucoup, hein. Bon, on va essayer de se la faire normal. Hein. Regardez-moi tous ces délicieux poissons. Petit! 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 Ah, je crois que c'en est un petit là, c'est bon.
Petit. 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 Viens prendre le bon appart. Ah, il a l'air un peu plus costaud, lui. Non. Petit, ok. J'en suis à combien de petits? Je peux améliorer mon arc. 8, il m'en faut donc encore 2. En fait, à chaque fois, je me prépare à tirer comme si c'était un arc. Et après, je me dis, ah merde, c'est vrai, c'est pas un arc. Oh merde, t'en as un gros, lui. Lui, il va m'emmerder. Lui, il va résister. Allez, viens là. Viens voir papa. En fait, la végétation, là, elle m'a caché 2 secondes la corne, j'ai failli la faire péter. Fléau d'armes, j'en ai un. J'en ai un, je pense que pour étourdir, c'est pas mal. Ça me fait chier ce poisson à pêcher. En fait, là, je me concentre toujours avec la même arme et c'est peut-être ça mon erreur. Allez bien, allez bien, allez bien, allez bien. J'avais enfin réussi à le ramener et il s'est barré le poiscaille. Je sais pas ce que je suis en train d'essayer de pêcher là, mais c'est bien galère. Les quêtes de pêche, elles vont me demander une telle patience.
peux pas prendre mon arc ou une hache et le lancer en direction de la corde? Je vais l'avoir enfin. Oh putain, mais il est immense. J'ai bossé, j'ai pêché le boss de la zone. L'eau gros de poisson. Ah, c'est quoi ça? C'est une anguille. Une anguille sous roche là. Hein. Mais c'est pas du tout ce qui m'intéressait du coup. Moi ce qui m'intéresserait c'est les deux petits chabots encore. Alors je sais pas si c'est une perche ou autre chose que j'ai chopé. Déjà c'est de type P, je dirais. Perche. Petit chapeau. Yes, exactement ce que je voulais, merci. J'ai dégommé quelque chose. Je sais pas ce que c'est. Merche. Et merde. Le mec il arrive à choper un truc à l'arc mais il arrive quand même à dire et merde. Ça c'est pas ce qu'il veut. Yes! Enfin! Vérifions dans l'inventaire. J'ai mes 10. J'ai mes 10. Il ne me reste plus qu'une chose à faire du coup. Faisons ce mystère là. En théorie, je suis censé sacrifier 10 petits chabots pour réussir cela. Après, il faudra que je jette mon dévolu sur une nouvelle région, je pense. Pas forcément pour essayer d'avoir des alliés, mais juste pour explorer une nouvelle région. Parce que là, c'est clair et net que le dernier mystère, je l'aurais pas comme ça. Il me manque aussi deux artefacts. Ah, on peut chasser à l'arc, enfin en monture. Ok, ça, c'est bon à savoir. On peut faire de la chasse à court. Alors j'ai tué beaucoup de monde. Soyez plus précis, s'il vous plaît. Tu vas payer pour tes péchés. Message de vengeance. Il y a eu vengeance là? Personnellement, moi j'ai vu trois clampins qui ont essayé de m'agresser. J'ai rembarré. Et ensuite, bah, je suis parti continuer la suite quoi. C'est mon loup qui grogne ou. Sacrifions les 10 poissons à cette pierre. Et voyons ce que ça donne.
Avoir une compétence, ok. C'est cool. Je l'avais pas déjà le message de vengeance. Je pourrais améliorer l'arc, mais j'ai pas envie de le faire là. Quelques de santé en plus, hein. Pas dégueulasse non plus. On va prendre pour aller allumer le feu. Défi accompli. Ok, Ubisoft. Ok, merci. Et du coup, comme j'ai accompli le défi, j'ai gagné quoi? Pareil, il faut que je prenne en compte donc dans tout ce... Ouais, c'est deux artefacts, il faut que je prenne ça en compte. J'ai deux artefacts encore à trouver. Autant le mystère, je peux pas l'avoir, autant les deux artefacts, je peux les avoir. Le mystère, c'est clairement un truc qui est trop difficile pour moi. Mais l'artefact, juste en soi de l'exploration. Ah, c'est ça, mais je l'avais déjà fait en fait. J'avais déjà fait, d'accord. Pas du tout ce que je voulais faire, mais bon. Je pensais en fait que c'était une zone que j'avais pas faite. Par là, y a rien, donc ça me surprend. Aller s'y promener, de toute façon ça ne nous coûte rien. Hein. On est d'accord que là le lapin il a littéralement disparu. Et donc c'est le bâtiment. C'est le monastère que je voyais tout à l'heure ou... C'est que je voyais tout à l'heure. Ben voilà. Moi qui me disais, c'est bizarre, je ne sais pas où aller chercher mon dernier artefact.
Donc l'artefact est en haut. Non, attendez. Inspecte les alentours, Sinine. J'arrive à grimper. Il n'y avait aucun intérêt à aller là, d'accord. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça peut très bien être là-haut, le dernier artefact que j'ai pas trouvé. J'ai hésité pendant un temps à me dire que c'était les zélotes qui avaient les artefacts qui me manquaient. Je me suis dit, si c'est le cas, putain, c'est la merde. Je sais pas pourquoi je veux appuyer sur H pour appeler ma monture. Je sais pas du tout pourquoi, hein, mais j'appuie à chaque fois sur H en mode appelle la monture. Ah non. Un réflexe à la con. Cours, petit renard, cours. On ne sait jamais. Je pourrais changer d'avis et vouloir me mettre à te chasser. Connais-tu le chat d'assaut? Non. Énorme. Je m'attendais à une connerie avec un chat, hein, là-dessus, parce que le nom était trop évident. Mais très très bien. Très 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 bien. Rien à redire là-dessus. Parfait. En 2 secondes, je me suis dit putain, ça va être zélote. Ah. Oh non, je parcours vos fleurs, mais n'ayez rien crainte. Ah non, c'est juste une bicoque, je pense pas qu'il y ait l'artefact. Ça serait beau, mais j'y pense pas. Va voir, Sinine. Ok, ok. Les zélotes sont des vrais tests de combat. Sont des tests de combat en vrai. Je sais pas, le dernier zélote que j'ai vu, à part le fait que j'arrivais à peine à le toucher, ce qui m'a le plus dérangé, c'est qu'il régénérait. Voilà, c'est clairement ça qui m'a le plus dérangé sur le zélote. C'est qu'en plein milieu du combat, il a totalement régénéré le peu de vie, les 3 mm de barre de vie que je lui avais retiré. Et là tu fais, ah, ouais mais ça va pas le faire, je lui ai retiré 3 mm de vie parce que... Pff. Ouais mais voilà, mais le problème c'est que j'avais pas ce qu'il fallait pour focus. Et à un moment, focus, je veux bien hein. Il veut pas le loup. Le loup est en mode non, fais pas me baigner, je suis propre. Je ne sauterai pas dans cette eau. Dans cette eau sale. Donc les zélotes, il faut pas leur laisser un instant de répit. Eh bah putain, je suis pas prêt de m'en faire un. Hein.
Enfin, il faudrait que je revoie mon équipement, quoi. Soyons honnêtes, mon équipement est peut-être un peu aux fraises. Hein. C'est l'équipement du DLC et la hache de papa. C'est gentil. Et ça casse pas trois pattes à un canard pour le moment. Je suis en train d'explorer la région de fond en comble juste pour essayer de trouver un fucking artefact. Hein? Écoutez, hein, moi je prends. Les hommes sont morts, pas moi. J'en ai besoin, pas toi. Je suis en train de me demander. Hein. Là, il y avait une quête. Hein. Ah, il a, j'y suis pas allé, donc ça me surprendrait pas qu'il y ait par là le dernier artefact. Mais bon, ça va être du travail de très longue haleine. Hein, désolé, j'en profite pour regarder les motifs que j'ai. Très très longue haleine pour pouvoir réussir à choper les quelques trucs qui me manquent. Juste pour être sûr, j'ai plus rien. Alors c'est même pas ça qui m'intéresserait, ça serait juste finir mon pack de propriété pour le bateau. Je vous l'avoue. Je pense qu'après on va aller en est, je sais pas quoi là, vu le territoire juste à côté. Parce que bah t'as la quête du DLC à y faire, tout simplement. Le brouillard n'a pas l'air très naturel. Ah mais j'ai déjà eu l'objet maudit là de cette zone. Va, Sinin.
Nouveau territoire découvert, oui. Même pas peur, je saute. Sympa la musique. Même, on regarde un peu ce qu'il y a par là. Pour le faire, je vous avoue, à moitié déçu. Cette Alors. Femme, il parle de Grendel, son enfant. Les dieux lui ont tissé un sort bien cruel. Quoi ? De noirs esprits tourmentent ces terres. Et attends. C'est pas du tout ce que je voulais faire, mais c'est juste trop drôle aussi, dans le genre. Pyromane totalement. Ouais. La malédiction est levée. Assume totalement mon côté pyromane. Alors toi t'as fait ça, moi j'ai quand même foutu le feu à deux insectes, sans faire, enfin à deux serpents sans faire exprès quoi. On est bon en termes de pyromane, hein. Pyromancie, nous voilà. Hein. C'est super, je viens de faire un magnifique chemin souterrain. Mais quel était son intérêt à part me faire détruire un objet maudit? Non mais
Et c'est encore pire que tout à l'heure, quoi, ce qu'elle a fait là comme saut. Ah, attendez, je vais me faire mes points de compétence, mais là c'était magnifique le... Non, j'ai pas envie d'aller trop loin. Ah, combo d'arc léger. D'accord. Je suis en train de dire. Hein? Voilà, je deviens pyromane level plus. Tout ce que vous vouliez me montrer, non. Il y avait d'autres trucs inutiles à me montrer. Il manque beaucoup d'or, enfin de fer. Je pense que si je ne sais pas quoi faire avec mon or. Je me prendrai tout simplement du fer. D'accord, donc ils nous ont mis un bras zéro, mais ça sert à rien quoi. Quel est ce lieu? Je sais pas. Il y a un coffre à piller, on va pas dire non. Il y a une opale. Alors ça m'éclate parce qu'ils font des endroits où t'es censé pouvoir foutre le feu pour éclairer et ça marche pas. Ah là, ils ont un peu fioté la chose, hein. Ouais, un trésor juste à côté là. J'ai pas résolu le mystère. Résolu le mystère. C'est quoi comme mystère? Je comprends pas. Trésor de l'île de Bretagne. Ok. Donc là, ça va être notre nouvelle zone de jeu, hein, je vous l'annonce. En fait, je vais aller me faire l'or et après, je pense que je vais aller me faire le point pour avoir un jump rapide. Dès que je peux, j'amène aussi mes braves gaillards dans le coin. Qu'est-ce qu'il y a dans ça? Je pensais qu'il y avait un truc plus important. Le truc était barricadé. Mon Dieu, je me demande où est la cave. Là.
Yes! Nickel! Mais c'est nickel! J'ai dit qu'il m'en fallait. Et il m'en donne. Cool. Il y aura un pillage à faire. Je pourrais le gérer sans problème. C'est le seul que je connais. Ça veut pas dire que c'est le seul du coin. Montre-moi. Ah oui, il y a carrément des flèches là-haut, ok. Je pense que dans les souterrains, j'ai loupé beaucoup de choses. Clarinette, j'ai loupé beaucoup de choses. Entre autres parce qu'on me dit qu'il y a encore le souterrain à faire. Et parce que je pense que là où il y avait l'objet maudit, il y avait une porte à ouvrir avec une clé. Et j'avais pas cette clé. Donc forcément c'est que j'ai loupé quelque chose. Je saurais pas vous dire quoi, mais je l'ai loupé. Ah si, je saurais vous dire quoi. Hein. Faut pas être con, ce que j'ai loupé c'est la clé, entre autres. Oh la biche, elle court comme ça, elle m'a pas vu encore. Le lapin qui court, c'est normal les lapins. Oh, le lapin sur la vitesse là. C'est chiant parce que tu sais jamais ce que tu vas avoir en faisant la chasse. Personnellement, ce qu'il me faudrait, ça serait des cerfs de rennes. Mais ils veulent pas m'en donner. Ok, donc j'ai un bout de quête à faire là. C'est pas laquelle c'est. J'ai dit, le plus important c'est d'avoir son point de TP. Sachant qu'il y a aussi la quête de DLC. Moi? Ah t'es là-haut, désolé je te voyais pas. C'est qu'il s'amuse à allumer le feu, c'est pas cool. Bon, je suppose qu'après je vais trouver d'autres. Avec le corbeau, une fois en haut, j'aurai plus d'indications sur où faire quoi. Ça va être bien. Voilà.
Crabe une nez, qu'est-ce qui a l'air sympathique? Rien. Ok, c'est clair et net, au moins là, y a rien, n'a l'air bien. Crabe une nez. J'ai fait un artefact, une richesse. Va, ma fille. Il y a les corbeaux qui volent, je suis désolé. Corbeaux qui volent, ça veut dire quelque chose. Désolé. Il y a un point d'intérêt là où il y a des corbeaux. Il y a un combat mythique là aussi, je pense. Voilà, un combat comme ceux qui me les brisent. Ouais, c'est-à-dire que voilà. Ah, je m'y attendais. Là et là, il doit y avoir des richesses, c'est sûr. Ah, il y a un artefact aussi, tiens. C'est con, mais je me dis que... Ça risque d'être un combat difficile. Et là, l'artefact semble être là, ok. Ouais, peut-être que j'utilise un peu plus mon corbeau pour repérer le dernier artefact dans la zone d'à côté. Je me dis que ça serait-il pas bien. Bon, où est-il? Ok. J'ai cliqué sans faire exprès là, alors que je voulais pas du tout voir ce qu'il me proposait. Je suis un boulet. Mais bon. On le savait déjà. Du coup, ça va être très long de l'atteindre avec mon bateau. Mais j'en ai besoin. J'en ai besoin. J'ai besoin d'aller faire ce pillage. Alors, du coup. Je voudrais améliorer mon équipement. Je pourrais améliorer mon armure. Mais je pourrais aussi améliorer mon... Ah non, je peux pas. Ah. 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 Ha ha ha. Du coup, j'hésite. Ça coûte ultra cher à améliorer. Comme ça coûte ultra cher à améliorer, est-ce qu'il faudrait mieux pas que je garde tout ça? Bah non. Je pars. Aller voir la marchande. Parce que. J'essaie de lui en vendre au moins le merdier. Ouais, salut, j'aimerais voir ce que je t'ai apporté et si tu peux en tirer quelque chose. Cela faisait longtemps
longtemps que nous cherchions ce poisson. Quelle taille il fait ! Merci pour le poisson. Ah, on peut payer comme ça d'avance les bouts de livraison qu'on a à faire. Ça peut être intéressant. Eivor, tu as vu Wallace ? Et à l'intérieur, Wallace. Petra, qu'y a-t-il ? C'est mon frère. Oh, putain. Cela fait des heures que Wallace aurait dû rentrer, mais aucune trace de lui. C'est con, venez lui rendre, lui vendre des choses. À sa recherche, mais seul, cela ne donnerait pas grand-chose. Tu veux bien te joindre à moi ? Oui. Nous couvririons plus de terrain. Ok. Mieux vaut partir tout de suite. Par où commence-t-on ? Près de Peterborough. C'est là qu'il achète ses liquides de tannage. Et je sais qu'il campe parfois à une croisée de chemin entre ici et là-bas. C'est moi où les feux se sont allumés comme par magie. Ah bon. C'est loin où ils m'envoient ou... Ah putain, en plus c'est dans une zone plus violente que ce que j'ai l'habitude. Yes. Il n'aura pas fait de folie. Pourquoi, il est du genre à en faire ? Pas du tout. C'est pour cela que son absence m'inquiète. Je t'ai raconté comment nous l'avions trouvé, n'est-ce pas ? Oui. Un élan blanc t'a mené jusqu'à un nourrisson dans une forêt. Une marque du destin. En effet. Comme s'il était transmis d'un gardien à un autre. Il nous a été confié à l'image d'un bébé parmi les roseaux. On peut développer après, ma grande. Ouais, ça m'énerve là le mystère quand même. Là, je sais pas ce qu'il faut. Enfin, je regarde les autres armes. Peut-être que c'est ça le problème, mon arme. Ouais, je fais de la ligne droite, hein. Ouais, de quoi manger sur le chemin, nickel. Là-bas. Il a peut-être séjourné aux alentours. S'il l'a fait, il y aura des traces. Oh non, Eivor, par ici. Des outils. S'il s'agit de ceux de Wallace, pourquoi les aurait-il sortis de son sac ici ? Ceci mène je ne sais où sous le sol. Mieux vaut nous tenir sur nos gardes. Qu'est-ce que tu vois ? Ceci mène je ne sais où sous le sol. Mieux vaut nous tenir sur nos gardes. Une forte odeur ici, étrange et appétante, que je ne reconnais pas. Elle a une aigreur familière, mais je ne retrouve pas laquelle. Ce n'est pas celle de la mort, elle est presque agréable. Quelqu'un a été blessé. Une attaque au couteau, je crois. Et les serpents là-dedans ? Voilà, c'est passé par ici. Il semble qu'il se soit préparé à manger. Pourquoi aurait-il quitté son campement ? Où a-t-il pu aller ? Mmh.
doit s'agir des vêtements de Wallace. Les braies sont mouillées. Il a dû se pisser dessus. L'as-tu trouvé ? Je l'ai vu, Eivor. Je l'ai vu tout près. Wallace ? L'élan blanc. Ah. Élan blanc, c'est pas la première créature que j'ai tuée, mythique. Petra ? Eh oh ! Que Mimir me guide. L'ai-je perdue elle aussi ? On est d'accord, il y a un truc pas normal et... peut-être lié à l'odeur qu'on a sentie. Il commence à faire sombre. Et en blanc. Pardonne-moi de te déranger, Seigneur. Eivor, ravi de te voir ici. C'est l'élan que j'ai tué. L'élan blanc dont Petra m'a parlé. Bien sûr que oui. Regarde-moi. Alors tu peux peut-être m'aider. Petra a disparu. Je dois la retrouver avant le coucher du soleil. Non, j'ai juste pris de la drogue. Non, non, Petra n'a pas disparu. Elle est même tout près d'ici. Et elle t'attend. Suis-moi. Tu es le gardien de ces lieux. Mènes-tu une existence confortable ? Parmi les collines et les vallons de Mercy. Non, je vis bien, oui. Je mange, je dors, je me promène, je ne désire rien et je profite de chaque instant. C'est une vie enviable. Et que faites-vous, Petra et toi, à rôder dans les bois ? Vous chassez, peut-être ? En un sens, oui. Nous cherchons Wallace, son frère. Elle a attendu son retour toute la journée. Bon sang, oui. Où a pu passer Wallace ? Où ça ? Où ça ? Je me le demande. Est-ce que Petra est près d'ici ? Je crains que nous l'ayons perdue. Elle était là il y a un instant. Qu'est-ce qui se passe ? Elle était droguée. Je ne peux pas rester. Non, je dois partir. Emportez vos maléfices, Gestodongre ! Qu'est-il arrivé à Petra ? Bah, Petra, en fait, tu as sûrement juste laissé là où tu l'as perdu. Ah, c'est des sortes de géants. Des géants de glace. Qu'avez-vous fait à Petra ? Répondez ! Eivor, arrête ! Je suis là ! Je vais les faire parler, Petra. Il faut que je sache la vérité. Je dois découvrir où tu es. Eivor, je suis là. Plus besoin d'un Oui, désolé. Allez, viens. Je crois savoir où nous trouvons Wallace. Là-haut ! Petra se mène par là. Petra, j'ai rencontré ton vieil ami Léon. On est d'accord que j'ai fait un carnage parmi des pigeons. Quelques instants, oui. Nous avons parlé jusqu'à ce qu'il s'évapore. C'est dommage. J'appréciais sa présence. Oh, regarde là. C'est un cèdre bien étrange, Petra. Où es-tu ? Par ici. Pas Petra, ça. Petra ? Mais comment fais-tu cela ? Ce n'est pas un tour. J'y pense et cela se produit. Aussi simple que de marcher. Essaie. Encore ? Mais comment ? Comment vais-je y arriver, Petra ? Essaie tout simplement. Vas-y, cours en ligne droite.
loin. Trop loin. Incroyable. Tu as réussi comme ta Sinine. Et sans une blessure. Ah, ça peut être sympa. Bon, allons-y. Un jeu James Bond. Tu es sûr que Wallace est là? Je ne vois personne. Je crois, oui. Nous devrions demander aux lapins. Ils doivent savoir. Bien sûr. Les lapins... Ils ont pris de la drogue. On est d'accord, là, les persos. C'est là que les loups nous ont attaqués. Oui. Espérons que leurs esprits reposent et qu'ils ne se réveilleront pas pour nous dévorer. Oh non! Les esprits des loups se sont éveillés. Bonjour. Pardon si je te dérange, mais aurais-tu vu mon frère, voilà? Oh mince! Celui-là ne parle pas le lapin. Petra! Vite! Dites-moi, petit lapin. As-tu vu un homme du nom de Walla par ici? Je vois, je vois. Merci de ton aide. Ivor, regarde! Ouais, deux secondes. Tu le vois? L'élan blanc. Il nous mène jusqu'à Wallace. Allez, Ivor, poursuis l'élan. Non mais... C'est quoi cette, cette quête de drogué? La boucle sans rien trouver. Ah, alors qu'est-ce qu'on regarde? Wallace? Espèce de crétin sans cervelle, nous t'avons cherché partout. Et je suis là, frais, dispo et prêt à travailler. Tu as des jours de retard. Ma foi, j'ai transporté un fardeau au retour, cela m'a ralenti. Alors j'ai préparé un campement et je me suis fait une soupe aux champignons. De drôles de champignons, d'ailleurs. Ils m'ont mis dans un état. J'ai arraché mes vêtements et je me suis réveillé tout nu, couvert de bleu, dans les bois. Alors je suis rentré discrètement, nu comme un ver, pour chercher des vêtements, avant de revenir chercher mes outils. Il a fait un truc hallucinogène. T'es qu'un rêve. Peut-être. Mais ne te moque pas des rêves. Peut-être plus important que les heures d'éveil. Les mecs ont fumé. Je suis peut-être encore sous l'effet des champignons, mais c'est agréable. Je me suis bien amusée aujourd'hui. On pourrait peut-être recommencer sans les champignons. Pourquoi pas? Mais il va falloir que je demande l'autorisation au lapin. Petit troll. Alors nickel, parce que j'ai presque un level là. Ça c'est bien parce que je pexe un peu en faisant n'importe quoi. Clairement, hein, je fais n'importe quoi mais je pexe. Voilà, je vais prendre les deux derniers niveaux là, avec le prochain level, pour voir qu'est-ce que ça va me débloquer à ce niveau-là. Je voulais voir la carte du monde. On va essayer d'aller vendre les trucs à la cabane de chasse. Enfin, donner des morceaux à la cabane de chasse. Regarde aussi si dans la boîte à idées là-haut j'ai des trucs ou pas à faire. Petra et toi, à chasser un élan blanc, la tête aussi haute que les nuages. Bon sang, j'ai. Livraison de chasse. Je t'en donnerai un bon prix. Je savais que c'était là. Livré. Est-ce que ça, en plus de la truc, ça me rapporte ou pas de la. Truc de serre? Non. Dommage. Voilà ce que je cherche. Pas de lynx, d'accord.
ceci nous sera très utile. On manque toujours plus ou moins de ceci. Bien, ce sera utile à la colonie. Voilà. Rien d'autre. Puis-je voir tes marches? En bise. Désolé, ça plante. Ah! Alors, quand j'ai dit ça plante, ça a bien planté. Le jeu a crash. On va le relancer, hein, du coup, pour voir ne serait-ce que où on en est. J'ai réussi à faire crasher le jeu. Je suis fort. Je l'ai même pas fait exprès. C'est con quand même, à 20 minutes à peu près de la fin du live, c'est à ce moment-là que ça a décidé de planter. C'est quand même vraiment con. Oh, je sens que je vais bien dormir ce soir. Je suis bien crevé. Je sais pas vous, mais moi je suis bien crevé de ma journée là. Alors voyons voir du coup où j'en suis. C'est là que ça me fait peur. Ok. Du coup, je pense que j'ai que mes quêtes à redonner. Ravi de te voir. As-tu un contrat pour moi? J'ai des requêtes qui potentiellement exigent un recours à la violence. Cela t'intéresse? Pourquoi pas? Alors, le truc con, c'est que je sais pas quelles sont les récompenses et je ne sais pas où les faire. Des contrats à te proposer. Qu'as-tu de beau aujourd'hui? De toute façon, c'est 100 à la pièce. Hein. Ah non, le tatouage, c'est moins cher. Et c'est ça qui m'intéresse, hein, clairement. Ça, plutôt. Je pars. Porte-toi bien. Que tes dieux te gardent. Hey, bon. Ah bah nickel, il fallait que je lui parle à elle. J'ai reçu quelques articles qui tiraient comme un gant. C'est vrai ce mensonge? Ah non, c'est vrai. Sincèrement. Un excellent achat. J'ai fait venir ceci en pensant à toi. On n'en a jamais assez. Ok. Tu sais, tu fais partie de mes deux meilleurs clients. De tes deux meilleurs clients, super. Ceci t'irait bien, je crois. Jotunheim. C'est pas la porte en théorie entre Midgar et les autres mondes, le jeu de Mahem. Ah, oh, ça c'est tout à fait toi.
un excellent choix. Et bah d'un autre côté, je suis l'un des rares à acheter les choses, donc. Tu as tout ce qu'il te fallait ? Oui, oui. À une prochaine fois. À une autre fois, Eivor. Bah, j'ai tout ce qu'il me fallait. Maintenant, il va me falloir du matos pour pouvoir justifier tout ça, mais oui, oui, j'ai tout ce qu'il me faut. Petra et toi, à chasser un... J'ai quelque chose... Cela me sera trop fini. Ceci me sera très... Cela m'aiderait d'avoir ceci. Voilà qui va nous aider. Rien d'autre ? Non, c'est tout. Je dois partir. À bientôt. À une prochaine fois. Alors, on va aller là voir ma... Ah, le loup, il est là. Ah, te voilà, mon croc dur. Non, c'était pas ça que je voulais faire. Juste ça. Ok, donc, du coup, je voudrais les piller là. Plus intéressant, ce serait de passer là. De faire comme ça, et de revenir comme ça. On va essayer de faire un dernier pillage avant de s'arrêter. Et avec les ressources de ce pillage là, on essaiera soit de construire le bâtiment naval, soit de construire le tatoueur. Je sais, Lucas, tu préféreras que je construise la cabane de la voyante, mais bon. Je préfère finir tous les bâtiments du niveau 2 de la colonie avant de passer au bâtiment de la niveau 3. Et ainsi de suite, en fait. Plus de toiles ! Putain, mais ils ont créé un truc anti-bateau, quoi. Pour une fois que je veux être pacifique et non violent. Pour une fois. Les mecs ils veulent pas. Abaissez le mât. Joviac, salut à toi, t'as été trahi par le bot. Je préviens. Alors là où je vais aller, c'est vers le bas. Guide-moi, Sinine.
Ouais, non, c'est pas une abbaye. L'abbaye, elle est vraiment vers le bas. On ne peut pas naviguer à la voile. Naviguer à la voile, on peut pas naviguer à la voile, on peut toujours naviguer à la voile. Pas le blason là sur le. Démontez le mât. Sur la chose, sur les remparts. Ah, je trouvais pas le bon terme. Les remparts. Hissez le mât. Je pense que je ferai d'abord le. La cabane pour le navire. Pour que je puisse enfin changer le navire. Je le trouve un peu impersonnel ce navire là. On peut employer la voile, Eivor. Hissez la toile. Montre-moi. Ah, il m'a indiqué un deuxième, lequel est-ce ? C'est celui-là aussi. Ok, donc il y a un déplacement rapide ici, c'est cool ça. En fait, tous les déplacements rapides que je peux découvrir aujourd'hui, c'est cool parce que ça voudra dire que pour la prochaine fois, bah, ça sera beaucoup plus rapide à se déplacer, aller d'un point à un autre. Elle me fait quoi? Prenez l'or du Christ et brûlez sa maison. Et voilà. Voilà aussi. Tiens, ça me fait penser. Un petit massacre en bande uniforme. Ouais, mon arc de chasseur est le plus intéressant. Je vais vérifier, mais. Voilà, lui aussi il est calmé. Il me faut de l'aide. Toi t'es calmé.
Alors, est-ce que je vais récupérer au moins jusqu'à 45 de matériaux? Ça tire pour... Voilà, level up de plus, ça c'est cool. Allez, on y va. On casse cette porte. Ah, en plus c'est mon garde du corps. Mon bras droit. Voilà, avec classe et efficacité, nous le maravons. Sans propre, hein. Je crois qu'on n'a pas compris qu'une épée ça pouvait trancher aussi potentiellement. Okay. On va d'abord piller ça. Quelqu'un peut m'aider ? J'ai eu de la des matériaux de construction. Qu'est-ce que j'ai eu, ça je ne sais pas. Ah, attendez. C'est pas mal parce que j'ai eu quand même pas mal de richesses de la zone directement là. Tiens là, j'ai tué. Je laisse en vie le prêtre tranquillement. Au moins ce qui est bien c'est que je sais qu'il doit être en hauteur. Ah, il y avait double coffre en plus. Du coup, ouais, j'ai totalement pillé la zone. Alors, en point de compétence, qu'est-ce que j'étais en train... Ah oui. Oh. Terreur. Ma foi, c'est fort intéressant. Dégâts de feu améliorés, portée de l'ours, ouais. De façon normale, celle-là est très intéressante. Celle-là. Bon, après, là, ça et ça, c'est toujours bien aussi. Hein. Ça fait plus de dégâts et tout, mais... un poil moins bien, je trouve. Alors...
Yes. C'est dommage. Il m'en manque 10 et j'aurais pu faire 2 bâtiments. Mais bon. Ouais, il me reste encore beaucoup de zones à fouiller. Hein. Je pourrais peut-être trouver d'autres ressources. Donc 1, 2, 3. 3 richesses, donc ça me fait là. Mystère 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'en ai trouvé pas mal. En artefact, j'en ai trouvé 2 de plus. Donc j'arrive là. Ah, j'ai un mystère de plus, donc j'en ai déjà 9. Cette zone est beaucoup plus remplie que celle-là, je trouve. Là, c'est chiant, il me manque 2 trucs. Hein. Je ne sais pas où ils sont. J'aurais tendance à penser sur cette île pour le dernier artefact ou sur celle-là, par là. Et je suis pas sûr à 100%. Allez. On va voir comment je peux essayer de custom un peu le bateau. Puis surtout, est-ce que ça va changer quelque chose en dehors de juste la cosmétique du bateau? Je pose la question, est-ce que je vais pouvoir apprendre à mes gars à être plus costaud, plus mieux? Je suis pas sûr. Personnalisé, oui. Voyons, un navire, c'est la base, c'est l'âme viking. Je suis obligé d'avoir un truc pour customiser mon bateau. Parfait, Yvor. Tu es vraiment très généreuse. Par exemple, j'ai la morsure du serpent qui est la version. Ah non! Prochain live en Valka, je sais pas. J'ai mixé. Mixé. Je dois prendre congé. Adieu. À la prochaine fois, Yvan. Pour fin live, je sais pas, peut-être la customisation de mon perso. Comme je t'ai dit, j'ai envie de d'abord finir les vieux trucs de niveau 2. Attends, j'aimerais voir un peu la gueule. Sympa la proue, j'aime bien. Ça a un peu trop clair pour ce navire. Mais ça peut donner un navire stylé. Bon, l'arrière par contre ne colle pas du tout et ouais, c'est con, hein. La proue et la poue ne colle pas du tout. Ah, attends. Faudrait voir. Techniquement, si je veux finir tout ce qui est de niveau haut avant, il me reste la boulangerie à faire et la brasserie qui sont du niveau précédent et le tatoueur. Après, tout le reste vient d'après d'autres choses. Je peux faire des maisons là maintenant. Ah non. Ouais, il me les propose mais je peux pas les faire. Sachant qu'il me reste quoi? Je regarde aussi ce qu'il me reste en ressources. Il me reste 50 et 35. Ouais, donc en gros il me manque un coffre. Un coffre de matières premières et c'est bon. Parce que là il m'en manque 10 et là il en manque 10, enfin 100 pour pouvoir faire la prochaine évolution. Ah déjà j'ai vidé un peu mon merdier là. C'est bien. J'ai des trucs inutiles, je vais aller les revendre pendant que j'y pense. Et puis on va s'arrêter là. Petit à petit, on va réussir à tout améliorer, hein, tout le village. Qu'as-tu à me proposer aujourd'hui? Tu devrais acheter ceci. J'ai hâte de trouver acheteur pour ceci. Attends. Je crois que ce serait un très bon choix. Eivor, tu devrais vraiment choisir ceci. Ouais, ça coûte cher le Jotun.
Celui à 5 sur... Ah ouais, t'as presque fini d'évoluer le village, toi. Rien d'autre? Moi, je vais le faire petit à petit. En passant palier par palier, j'ai envie de dire... Tu vois, en cherchant à évoluer d'abord les trucs du niveau 2 et ainsi de suite. Enfin bon. On va sauvegarder et on va s'arrêter là. Du coup, revenons au menu. Pour la fin de semaine. Le programme de fin de semaine. Demain, on continue à Assassin's Creed Valhalla. Je sais pas si je le fais que le soir ou pas. Demain après-midi, je travaille pas. Ça va dépendre. Parce que j'ai déjà des trucs de prévu dans l'après-midi. Ça va donc dépendre de combien de temps ça me prend et tout ça. Ce week-end, on va faire du... Pathfinder Kingsmaker, on va continuer la campagne, c'est-à-dire qu'on va finir samedi, enfin on va commencer et finir le château du Pitax, ou du roi du Pitax. Je suis allé, il voulait ma couronne, bah je vais lui prendre la sienne avec sa tête. Donc voilà, hein, il y a donc le roi du Pitax qu'on va faire, et après je sais pas ce qui va se passer d'autre, donc je vais pas m'avancer à vous dire on va faire ça, j'en sais rien, mais on va avancer dans Pathfinder Kingsmaker, c'est tout ce que je fais, plus ou moins rapidement. Dimanche, pareil, on va avancer plus ou moins rapidement dans Pathfinder Kingsmaker. La semaine prochaine, de lundi à jeudi, Assassin's Creed Valhalla. Vendredi à 21h, on continuera nos aventures de Starfinder avec toute la clique de joueurs que j'ai. Je vous invite à venir et à les aider, les pourrir, voilà. Il y aura quelques modifications dans le store, il faut que j'en parle avec eux. Pour ça, limiter le nombre d'utilisations de soins et tout ça, parce que c'était un peu abusé la dernière fois. Donc voilà, on va reparler de ça avec mes viewers, enfin avec pas mes viewers, mes joueurs, parce que certains ont l'habitude d'utiliser ça, pour mettre des règles, voire aussi pour en créer des nouveaux objets, s'ils ont décidé. De toute façon, je vous tiendrai au courant de tout ça sur mon Discord, donc je vous invite à rejoindre mon Discord, tout simplement en cliquant sur le lien que je vais faire apparaître en tapant la commande, voilà. Ça vous permettra aussi de savoir quand est-ce que je suis en live, de savoir quel jeu j'ai envie de vous faire en live avec le temps, une fois que j'aurai fini celui-là, voire d'autres. Ça vous permettra de discuter de tout et de rien, d'avoir les informations sur ma chaîne YouTube aussi, car sur ma chaîne YouTube, vous pouvez retrouver déjà les 3 épisodes du début d'Assassin's Creed, et aussi tous les épisodes, donc les 3 du JDR Starfinder, la campagne. C'est un bien grand mot, campagne, hein. Pour le moment, on n'en est pas loin. Donc voilà. Une autre façon pour savoir aussi quand est-ce que je suis en live, c'est de me follow sur Twitch, tout simplement. Les deux sont très simples et sont gratuites, ça vous coûte rien, ça fait plaisir en plus. Sur ce, regardons qu'est-ce qu'il y a. Ah bah. Lucos, je vais pas te poser la question, mais j'ai un des streamers que je suis qui est sur Assassin's Creed Valhalla. Je suppose que tu veux que je te raide là-dessus, hein. Du coup. Alors, continuons, vous envoyer sur de Assassin's Creed Valhalla. Lancez le raid. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi mes aventures et mon cassage de gueule au départ en essayant de finir un mystère. Mais c'était un cassage de gueule, mais au niveau monumental. Je vous souhaite une bonne soirée et une bonne nuit à tous. Et je vous dis à une prochaine fois pour de nouvelles aventures.